Alors, toujours en direct depuis les méandres de Cueil que vous apprécierez, je souhaite vous présenter et vous expliquer le sixième tibétain. Je sais que, alors je suis une fan, une adepte des cinq tibétains, que je les recommande à tous mes stagiaires, à tous mes patients, et que vous les avez sur le blog chacun. Alors on dit qu'il y en a six. Alors dans les règles de l'art, vous trouverez les cinq tibétains, mais on appelle le sixième tibétain celui que je vais vous montrer. Vous pouvez, si vous souhaitez, ne faire même que celui-là. Il a la vertu qu'il va bien travailler, et vous le comprendrez, votre grand transverse abdominal. D'accord ? Ça va même aussi vous donner extrêmement chaud. Si vous le faites bien, le signe, c'est que vous allez monter en température. C'est un massage intérieur, interne, de tous les viscères et les organes internes. Comme vous connaissez les massages extérieurs du corps, et bien là, c'est un vrai massage de tous les organes internes. Il faut, si vous avez des problèmes de constipation chronique ou passagère, c'est excellent et ça les résout très bien. Et le matin, à jeun, vous faites ça à jeun toujours. Et vous pouvez prendre un tout petit peu d'eau avec du sel dedans. Très peu, c'est pas très bon. Vous avalez ça et vous faites votre sixième tibétain tel que je vais vous le montrer maintenant.